3h30 à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer à la une de ces mardis. Il vit ses heures sombres depuis son existence de fenêtres sans vitre, exposant le malade et patient à la contamination à un bloc opératoire vieux comme l'existence de l'hôpital. L'hôpital de référence de la rive s'y trouve dans un état qui dépasse l'imaginaire de l'homme. Elles ont retrouvé le sourire et la joie de vivre. Le femme de troisième âge de Niragongo dans la province du Nord Kivu ont reçu une assistance humanitaire constituée de vivres et non-vivres de taille dans le corps de ces journaux. Mesdames et messieurs, bonjour. La RDC prend la présidence de la commission genre, enfants et personnes vulnérables au cours de la 13e session ordinaire de l'Assemblée parlementaire du ZITA, membre de la conférence internationale sur la région de Grand Lac au Soudan du Sud. Solange Massoumbuku a été élu par ses pairs à ses postes. Robert Ndaye est notre envoyé spécial. Comme annoncé, la 13e session ordinaire du Forum des Parlements a débuté ce lundi 27 mars 2023 par les travaux des commissions suivies de l'élection des nouveaux membres. 5 commissions totales, paix et sécurité, démocratie et bonne gouvernance, questions humanitaires et sociales, développement économique, intégration régionale et naturelle, et enfin la commission genre, enfants et personnes vulnérables. L'élection des membres des commissions est régie par le règlement intérieur du Forum parlementaire de la Conférence internationale pour la région de Grand Lac. Si pour les autres commissions, les choses sont allées vite, la commission genre, enfants et personnes vulnérables a vu les femmes déployer leurs biceps pour arracher la présidence de cette commission. Il a fallu une motion incidentielle de la Centrafrique pour départager la République démocratique du Congo et le Soudan du Sud. On va nous proposer un homme comme président. Où va-t-on? Je me demande où on veut aller exactement. À l'issue des votes serrés, la députée nationale Solange Massoumbuku Nyenyezi a été élue présidente de cette prestigieuse commission. 5 voix pour la République démocratique du Congo et 4 voix pour le Soudan du Sud. Elle sera secondée dans cette lourde tâche par le Burundi et l'Angola comme rapporteur. Ému, les premiers mots de la présidente de la commission genre, enfants et personnes vulnérables du Forum parlementaire de la CIRGL sont des remerciements à ses pairs. Elle a indiqué qu'elle travaillera pour l'émergence de la femme au niveau de la région. Désormais, nous sommes tous unis comme un seul homme pour faire avancer le genre, la situation des vulnérabilités des déplacés et des enfants. C'est la première fois que la République démocratique du Congo occupe ses postes, une véritable victoire de la diplomatie parlementaire. Le mois de mars se clôture bien pour la République démocratique du Congo et l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a présidé la cérémonie de signature de l'accord cadre pour le lancement de l'étude de préfaisabilité de la zone économique spéciale. Patit Ndongo. Pour concevoir un plan d'exécution et un modèle opérationnel pour la création et l'exploitation de la zone d'échange spéciale transfrontalière, il faut au préalable une étude de préfaisabilité. Sous la présidence du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondé Kyenge, un accord cadre a été signé ce mardi 27 mars 2023 entre les ministres des Finances, de l'Industrie et les ministres zambiens du Commerce. Et ce pour le lancement de cette étude qui doit aboutir à la matérialisation de ces projets de développement des chaînes de valeur pour des batteries et véhicules électriques. Le chef de l'exécutif national a salué à sa juste valeur ces projets de développement qui tirent sa source de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et du président zambien Kaïndé. Nelson Mandela disait que une vision n'est pas suivie d'action, pensée et réfléchie ne peut pas mener à une révolution. Tandis qu'une vision qui n'est pas suivie d'action n'est qu'un rêve. Pour aboutir à ce projet de développement de la chaîne de valeur régionale autour de l'industrie des batteries électriques, ainsi que d'un marché des véhicules électriques et des énergies propres. Et ne dit-on pas que l'union fait la force. Le mécanisme a été déclenché depuis l'organisation de la DRC Forum Africa Business,
tenu à Kinshasa en octobre 2021 sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La nouvelle maternité du centre de sœurs de pauvres de Kinshasa a ouvert ses portes. La coupure du ruban symbolique par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a eu lieu le lundi. Les femmes de la commune de Kimbanseki et des environs peuvent aujourd'hui accoucher dans des conditions. L'état de référence de la rive se trouve dans un état qui dépasse l'imaginaire de l'homme. Pharmacie en manque de médicaments, laboratoire dépourvu de matériel adéquat, l'hôpital vit ses heures sombres depuis son existence. Constant de Luisette Ntsakala. 2017-2023, plus d'un siècle d'existence que cette ancienne léproserie n'a connu ni réhabilitation ni rénovation. Et pourtant, cela va faire plus de 20 ans que cet hôpital jadis réservé aux lépreux est devenu l'hôpital général sur proposition de l'OMS. L'extérieur aux allures d'un site abandonné, les eaux stagnent après la pluie et la présence du camp des indigents, entendez, anciens lépreux, ne facilite pas la tâche aux patients qui hésitent, craignant la contagion. L'hôpital général de référence de la Rive est le seul hôpital général de la zone de santé de Bindozone. Malheureusement, son plateau technique laisse à désirer. Sept bâtiments vétustes avec une capacité d'accueil de 58 lits, dont 36 installés, 230 personnels, une pharmacie en manque de médicaments essentiels, un laboratoire dépourvu de matériels adéquats, une salle d'opération, un service de médecine interne sans unité d'imagerie médicale ni radiologie, bref, un hôpital général qui ne se conforme pas aux normes. L'hôpital général de la Rive a besoin d'une cure de jouvence pour s'adapter aux techniques médicales modernes et répondre à sa mission sociétale. Dans un autre registre, à quelques jours de la clôture du mois dédié aux droits de la femme, le professeur de l'ESSU a échangé autour de la thématique de cette année et l'autonomisation de la femme dans le milieu professionnel. Béatrice Chaco. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation, dit-on. C'est dans cette optique que les femmes professeurs d'université du cercle Sophie Kanza ont organisé cette activité à l'occasion de la clôture du mois dédié à la femme. Placée sous le thème « Femmes congolaises enseignantes à l'ESSU, quel impact ?», les femmes présentes à la manifestation du jour ont été conscientisées sur la contribution efficiente de la femme dans l'éducation. Pour la professeure Annie Mbacha, les femmes doivent se former pour avoir un bagage, afin de mériter les postes de responsabilité. Nana Manuanina, ministre près le président de la République, a invité les femmes à tout mettre en œuvre pour la cohésion nationale, telle que le veut le chef de l'État. Moïndo Nzangi a encouragé les femmes à émerger dans tous les domaines de la vie sociale, idée pleinement soutenue par le DG de l'ISAM Kinshasa, professeur Florence Mbiamouadi. On a créé l'école doctorale des arts. Nous avons voulu que l'ISAM, l'Académie des Beaux-Arts et l'INA, puisse mutualiser leurs efforts dans une école doctorale pour que les savoir-faire de nos mamans qui sont ici à l'ISAM soient valorisés et qu'on les pousse, qu'on les coache pour qu'ils présentent leur thèse. Et ça, ce travail est déjà fait, il est déjà fini. Donc, le nombre de femmes va devoir croître. C'est à l'ISAM Kinshasa, dans la commune de la Gombe,
que cette manifestation a été organisée. Le Transco a un nouveau centre de santé pour son personnel, une œuvre qui s'élance. Le directeur général de cette entreprise de transport en commun entre dans la vision du président Félix Tshisekedi pour l'amélioration de conditions de vie de Congolais. La cérémonie d'inauguration a eu lieu à Kinshasa. Jean-Pierre Ndolo-Demazo. Dès son arrivée à la tête de Transco, le comité de gestion dirigé par le bâtonnier Cyprien Mbéré Mouba avait promis de doter cet établissement de l'État d'un centre de santé pour la prise en charge médicale des agents et cadres, une promesse qui se réalise avec l'inauguration ce jour du tout premier centre de santé Transco, une première depuis la création de cet établissement public il y a 10 ans. Lors de la cérémonie, le directeur général de Transco, le bâtonnier Cyprien Mbéré Mouba, accompagné de son adjoint Flori Boatouka, a tout d'abord rendu hommage au président de la République pour sa vision qui place le peuple au centre de ses actions. Une vision que matérialise chaque jour le comité Mbéré, a-t-il insisté. Nous avons soutenu la solution de l'État. Qui veut que les Congolais, qui veut que les Congolais soient en bonne santé. Par une piqûre comme l'État ici, la création du centre de santé Transco est visiblement très bien accueillie par les agents de cet établissement public. Ces derniers se félicitent du management de l'équipe dirigeante de Transco. Nous remercions les responsables de Transco pour cette initiative. Nous pensons qu'avec le temps, ce centre sera transformé en un grand hôpital. Bien avant la coupure du ruban symbolique, le directeur général a présenté à l'assistance le personnel soignant de ce nouveau centre de santé, puisé du vivier de Transco. En dehors du médecin responsable du centre, travailler au profit des agents Transco, c'est l'objectif du comité Mbéré qui promet encore plus d'actions visibles les jours qui viennent. Au ministère de la Communication et Médias, Patrick Muyaya a été accueilli en pompe. Occasion pour ses collaborateurs de remercier le président Félix Tshisekedi et le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé pour la confiance placée à l'initiateur du nouveau narratif. Retour en images. L'effervescence de toute une administration pour son ministre, reconduit en son poste de porte-parole du gouvernement par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lundi en son cabinet de la Gombe. L'homme a été accueilli en pompe par ses collaborateurs. Au nom de tout le personnel, le directeur du cabinet, Nicolas Yanza, a transmis à l'initiateur du nouveau narratif les félicitations de l'administration. Au nom de cabinet, un présent lui a été remis. Par ce petit cadeau, vous réitérez notre volonté de continuer à servir le pays sous votre direction, de la même manière que vous aussi, vous allez continuer à servir le pays sous la direction du Premier ministre et avec la coordination du Président de la République. Surpris par cette organisation spontanée, Patrick Muyaya Katembe a trouvé de mots justes pour ses collaborateurs. Nous avons foi en Dieu, au Président et au Premier par rapport au travail que nous avons commencé. Mais je voudrais vous demander de vous activer davantage pour que nous puissions toujours mériter cette confiance du Président de la République, du Premier ministre, du parti et de tous les Congolais qui nous suivent. Merci beaucoup pour le cadeau. J'espère que vous tous avez compris la symbolique. C'est son travail. Merci. Voilà. Cette récompense est le fruit de notre travail, de mots justes du ministre Ditton en charge des infrastructures et travaux publics à ses collaborateurs, sous les ovations de militants et militantes de l'UDPS venus témoigner leur attachement au ministre Alexis Guissaro. Absent du pays alors que le gouvernement Sama II est proclamé, la charge des infrastructures ne le quitte pas pourtant. Alexis Guissaro Mouvouni a toujours la confiance du chef de l'État pour continuer le travail de construction et de réhabilitation des infrastructures routières, hospitalières, sportives et studentines sans être exhaustive.
à la rencontre des militants de son parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, venu saluer sa reconduction, le ministre d'État des infrastructures à la mesure de sa charge. Des mots de félicitations ont été exprimés également par le membre de son cabinet. Si Dieu a pu toucher le cœur d'un homme, c'est bien le cœur du chef de l'État, du président de la République, qui nous a renouvelé sa confiance à un poste aussi important. Et pour cela, je voudrais que nous puissions clamer. Nous avons commencé beaucoup de chantiers. Avec vous, nous avons travaillé et quelque part, c'est le fruit de ce travail qui est récompensé. Je suis convaincu que seul, je n'aurais pas pu y arriver. C'est donc avec l'appui de tous, avec l'accompagnement de tous, de chacun, chacun par rapport à son rôle, à sa tâche, à sa fonction. Je crois que ce succès, nous le partageons tous. Alexis Guissaro place ce mandat sous le signe de responsabilité et de défi. Sami Adoubango, désormais vice-ministre de la Défense, est attendu ce mardi à Bounia, dans la province de l'Ituri. L'annonce de sa venue suscite un espoir pour les habitants de ce coin de la RDC. Les décors sont déjà plantés au chef-lieu de l'Ituri pour accueillir Sami Adoubango en sa qualité de vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Toute la ville se mobilise pour réserver un accueil digne de son rang à ses fils du terroir, annoncé pour ce mardi dans une mission de sensibilisation à la culture de la paix dans cette province sous état de siège, a dit Danny Chilembi Betou, chargé de mission du vice-ministre Sami Adoubango. C'est déjà avec beaucoup de ferveur que la population itourienne attend l'arrivée de leur digne fils, excellent Sami Adoubango, vice-ministre de la Défense. Ce mardi, il va tenir un grand meeting sur la paix et appeler la population itourienne à une mobilisation générale au soutien à nos forces armées. Et nous saisissons de cette occasion pour inviter toutes les couches de la population à se diriger massivement ce mardi à l'aéroport de Murongo de Bounia pour accueillir chaleureusement leur digne fils. Cette mission est très attendue par la population locale, voire du côté de déplacés. Nous lui disons d'abord la bienvenue car il arrive pour notre souci digestement. Je suis sûr avec lui, on aura quand même une petite calmie au niveau de Ndjougou. Qu'il fasse tout, que la paix revienne à Ndjougou, que nous regagnons nos milliers d'origines. Nous lui souhaitons la bienvenue, mais notre doléance est au niveau de sécurité. Nous avons espoir en lui. Il y a espoir dans Niaké. Et qu'on vice-ministre à la défense vraiment. Il est maintenant vice-ministre de la Défense et notre frère. Qu'il fasse un effort pour remettre la sécurité afin que nous puissions retourner d'où nous sommes venus. Aussitôt arrivé, le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants prévoit un meeting populaire à la tribune centrale de Bounia. Toujours dans la province de l'Ituri, la centrale hydroélectrique de Boudana a perdu 75% de sa puissance initiale, une insuffisance qui compte plutôt résoudre la société GreenTech Energy à travers un partenariat, mais sa matérialisation tarde encore. Bobo Mokandi. Ville de Bounia, dans la province de l'Ituri, est en passe de tomber totalement dans le noir. L'unique centrale hydroélectrique de Boudana, qui alimentait cette ville et ses environs, n'est plus opérationnelle depuis plus de 10 ans, ce qui cause l'insécurité dans cette partie du pays. Cette centrale, d'une capacité initiale de 12,5 MW en séjour, ne produit que moins de 2 MW, ne répondant pas aux besoins de la population. À la base, la vétusté des dispositifs électriques âgés de plus de 80 ans. Face à cette difficulté, la population de ces coins du pays lance un SOS au premier citoyen Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui se bat sans désemparer pour améliorer le vécu quotidien de ses concitoyens. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, veut changer les choses. Et il veut voir demain que Bounia est suffisamment électrifié. C'est pour cette raison que nous demandons à toutes les autorités de pouvoir faciliter cette société GreenTech, de commencer immédiatement les travaux. L'alternative serait soit une réhabilitation totale ou encore procéder au remplacement de ces dispositifs.
Un protocole d'accord a été signé depuis 2019 entre la société Grimtech Energy et Sokimo sur les plaques d'énergie pour la mise en service de quelques turbines afin de desservir la population en énergie électrique. La population souffre beaucoup. Les machines et tout à Boudana est installé il y a 80 ans. Nous avons déjà le matériel pour faire ça, pour protéger la centrale. La protection de la centrale, c'est absolument capital. À noter que les matériels pour la réhabilitation de cet ouvrage sont déjà disponibles sur place à Bounia. Il ne reste plus que le lancement des travaux par les autorités compétentes. Dans l'actualité également, elles ont retrouvé le sourire et la joie de vivre. Les femmes de troisième âge de Nyiragongo, dans la province du Nord Kivu, ont reçu une assistance humanitaire constituée de vivres et non-vivres. Une lueur d'espoir pour ces déplacés victimes de l'agression rwandaise sur le sol congolais. Les femmes déplacées de troisième âge, enceintes et allaitantes, regroupées dans le site de Kayembe, en groupement de Munigi dans la chefferie du Bukumu, territoire de Nyiragongo, ont bénéficié ce samedi 25 mars 2023 d'une assistance en vivres et non vivres. Il s'agit d'un geste philanthropique du parti politique Essor de la République, cher au camarade Didier Mbuyi Mundela, qui en est le président national, lequel geste s'inscrit dans le cadre du mois de mars dédié à la femme. La remise symbolique de cette assistance, constituée essentiellement du haricot, du riz, du sucre ainsi que de pagne, a été faite par le responsable fédéral basé à Goma, le camarade Anaclet Kalenga, sous les applaudissements des bénéficiaires. Ce geste de compassion est un signe d'amour, a signifié Mme Nafissa Ramazani Thérèse, cadre de ce parti politique, qui également a lancé un message d'espoir. Un message d'espoir à toutes ces personnes pour dire que dans les jours à venir, la situation va s'arranger parce que les autorités du pays ne ménagent aucun effort pour rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. Et il n'y a pas de paix sans amour. Et aujourd'hui, c'est un geste d'amour que le président national a voulu partager avec les femmes déplacées, en ciblant particulièrement les femmes du troisième âge, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, et voilà, en leur apportant des vivres et non vivres. Sentiment de remerciement pour ces femmes déplacées bénéficiaires de cette assistance qui ne plaident que pour la fin de la guerre. Vraiment, et parti politique Essor, nous disons merci beaucoup, merci. Oui, à ceux qui ont été accueillis, à ceux qui ont été accueillis, signalons qu'elles étaient estimées à une centaine de femmes déplacées qui ont reçu l'assistance et la distribution s'est clôturée par des chansons de réjouissance. A noter que Essor de la République est un parti politique qui prône la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus question de tenir les audiences sous le Monguet. Le tribunal militaire de garnison de Mbandaka a désormais une salle d'audience moderne, dont un notable de la province de l'Équateur. C'est dans une cérémonie haute en couleur à l'esplanade de l'auditorat militaire de Mbandaka, cérémonie marquée par la présence des corps constitués de la province, que le député national Désiré Iwolo a présenté l'ouvrage qui servira désormais de salle d'audience du tribunal militaire des garnisons, Paris gagné par cet élu du peuple. Finit donc l'époque où les audiences s'éteignaient sous les manguiers à la merci des intempéries de tout genre. Après les mots de remerciement du ministre provincial de la Justice, de la synergie des avocats et du président du tribunal militaire, le député national Désiré Iwolo a procédé à la coupure du ruban symbolique avant de remettre les clés de cette salle d'audience équipée en meubles aux bénéficiaires et les a invités d'en faire bon usage. Il a par la même occasion interpellé les fils et filles de la province de l'Équateur élevés en dignité de faire autant en vue de soutenir la vision du président Félix-Antoine Tshisekedi. C'est un geste d'amour. Nous devons aimer notre province
et plus particulièrement la ville de Mbandaka. On a souffert devant cette juridiction militaire. On a eu beaucoup de temps plaidé sous le soleil ardent. Est-ce que c'est normal? Non. Saisi par la synergie des avocats, je me suis déployé pour que je puisse construire cette salle d'audience, bien sûr en conformité avec la vision du chef de l'État qui prône l'état de droit. Et comme j'ai toujours dit que l'état de droit, on ne l'applique pas dans la rue. Touché par ces nombreuses réalisations, les collectifs des journalistes de Mbandaka ont décerné au député national Désiré Iwolo un diplôme de mérite patriotique en signe d'encouragement. Et puis ces titres avant de nous quitter. À Kinshasa, une conférence débat sur l'autonomisation de la femme organisée par le membre de l'Action des Alliés pour le développement a permis de sensibiliser les femmes congolaises sur l'auto-prise en charge. Dieu merci Kanza. S'approprier de la culture du numérique et de l'autonomisation de la femme dans la société congolaise. Tel est l'objectif d'une conférence débat animée par le membre de l'Action des Alliés pour le développement social à Adès, à l'intention des femmes du district de Lukunga. Sous la direction de Mme Liliane Kanjeba, ces femmes ont réfléchi sur le sous-thème dédié au mois de la femme. Comment mettre les stratégies pour lutter contre la pauvreté qui gangrène la société congolaise en initiant des activités lucratives qui peuvent les aider à nourrir leur famille au quotidien. Parmi les oratrices, Mme Liliane Kanjeba a démontré à ces femmes l'importance de l'éducation numérique et égalitaire pour la paix et l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Pour sa part, Mme Astrid Kabedi a parlé sur l'historique de la journée de la femme. Enfin, la représentante du ministère du Genre a martelé sur les violences faites à la femme en RDC. Ces femmes ont remercié les organisateurs de cette conférence, car pour elles, ce genre de séances pédagogiques va leur permettre de se prendre en charge. Voilà, fin de ce journal de la rédaction coordonnée par Jacques Kabouaba, Moukoumine Sedouga, réalisé par Patrick Bampuila et Jonathan Moubou.